The Gulf of Foss, home to coral reefs, protected species, and endemic seagrass. Prevent coastal erosion and regulate CO2 at sea and in the atmosphere. Suffered from chemical pollution. We must stop these spills. Our coastal defenders will act. These wonders of the European Mediterranean deserve protection. But on July 23rd, 2020, a leak at Chem1 refinery spilled more than 760 liters of iron chloride. A toxic slick covered 6 hectares, causing the closure of beaches and undeniable damage to marine life. For years, this area is threatened by numerous chemical attacks by Chem1's facility and inadequate safety. Surf Rider Coastal Defenders are now taking legal action to demand justice for the ocean and ensure that this will not happen again. Suite à la fuite de substances chimiques qui a eu lieu en juillet dernier, Surf Rider a décidé de mobiliser son expertise juridique et de porter plainte. Nous portons plainte contre Chem1 pour pollution des eaux par déversement de substances nuisibles. Aujourd'hui, nous espérons que le procureur de la République entendra notre appel et décidera de poursuivre en justice cet industriel. Bien entendu, nous nous constituerons partie civile lors du procès. C'est un environnement naturel avec des espèces marines rares et protégées, et à partir du moment où il y a une pollution chimique de cette ampleur, c'est tout le vivant qui est menacé, les écosystèmes marins sont menacés et a fortiori l'homme. Donc aujourd'hui c'est important qu'un groupe de personnes se mobilise et communique afin que le plus grand nombre soit informé de ces incidents qui sont graves et récurrents. Ce sont des crimes contre l'environnement, on appelle ça un écocide. Il faut que justice soit faite pour éviter que cela se reproduise et aller vers un respect des droits de l'environnement.